De multiples applications de rencontres naissent au jour le jour, mais une seule fait la différence, Yamo Africa. Yamo Africa, votre application de rencontres 100% africaine et fiable. Sur Yamo Africa, trouvez l'amour dont vous avez tant rêvé. Parce qu'on s'est vu ce matin à la maison. Ça fait quoi? Je me disais seulement qu'il y a peut-être une situation qui a surgi là-bas. Oh. J'ai eu peur. Juste que je suis restée à la maison. Je n'avais rien à faire. Je m'ennuyais, non. J'ai pensé que ma grande sœur était ici. Du coup, je suis venue. En plus, il faut que je profite bien de la clim pour avoir une belle peau comme toi. Hein, Michel? Et en passant, tu m'as dit qu'il y a le wifi ici. Donne-moi le code. Je vais m'asseoir là-bas pour... Partie sur TikTok, non, je ne vais pas te déranger. Je reste là-bas toute la journée, plus rien, je te demande rien. Akaba, ce n'est pas la sorcellerie que tu fais. Quand tu venais ici, tu as payé ton transport, non? Oui. Voilà. Tu ne pouvais pas utiliser cet argent pour t'acheter un forfait internet. Est-ce que j'ai dit qu'il ne pouvait pas payer le forfait? Ok, Michel, j'allais payer le forfait avec l'argent là. Maintenant, la clim là, j'allais télécharger ça où? Toi, même quand tu regardes au quartier, là, qui a la clim là-bas, jusqu'à lui, qui veut partir là-bas. Akaba, toi, sorcellerie que tu fais là. Il faut souvent limiter ça là-bas à la maison. Pardon, ne me suis pas ici avec. Michel, il y a du mal à ce que je vienne ici là. Quand je viens ici là, je te fais quoi? Je te dérange, je te touche, je te frôle, je t'empêche de travailler. Pourquoi tu viens me perturber tout le temps? Que voilà, chaque fois que tu veux me parler, chaque fois que tu demandes un petit truc comme ça, là, il faut que tu cries, il faut que tu alertes seulement tout le Cameroun. C'est quoi? Michel, tu es ma grande soeur. On sort de la même famille, du même ventre. C'est quoi? C'est quoi, Michel? Akaba, attends. Tu sais quoi? Attends, Michel. Désormais, ne passe même plus Michel, ici. Michel, écoute. Hé, Michel. Ton gars t'a trouvé le travail, non? Tu travailles où il y a la clim, c'est bien, tout est propre. Demain, ça peut être pour moi. Je veux aussi avoir ma part de gars que Dieu va envoyer. Il va me donner le travail aussi. Tu as compris, non? Tu es ma grande soeur, mais tu refuses la famille parce que tu travailles. Travaille. Pas de problème. Akaba, ne passe même plus ici. Je vais dire au gardien que s'il voit même seulement ton ombre, qui bloque le portail là, même si tu venais faire une prestation, tu cales là-bas dehors. Michel, à moi. Reste là-bas. Tu as trouvé le travail, non? Tu travailles sous la clim. Un jour, ma part va sortir. Sur moi avant-hier. Prends mon téléphone. Calme-toi. Il y a quoi? Elle est à la maison. Non, elle n'est pas à la maison, mais c'est quoi le souci? C'est pour mon téléphone, pour aller faire son quoi, vous appelez ça quoi, ou c'est le TikTok, ou c'est quoi, je ne sais pas. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu mon téléphone. Mais attends un peu, je ne vous comprends pas. Comment tu peux prendre ton téléphone et remettre à quelqu'un, tu restes sans? Maman, ça, comment tu fais? C'est l'histoire de ta soeur.
Tu fais même comment pour être amie avec ma soeur? Parce que moi, je ne m'en sors pas. Hein? Elle a, tous mes bijoux ont déjà disparu à la maison. Je te dis, je n'ai plus rien à la maison. Donc, ta soeur a demandé toujours partout. Même... Donc, tu as eu le courage de donner ton téléphone. Maman, je vais faire comment? Maman, va alors chercher. Assieds-moi. Beaucoup de courage. Continuez. Ça va vous montrer. Mon téléphone depuis hier à 15h jusqu'à présent, elle m'a pas remis le téléphone. Elle n'avait pas le téléphone. Mais elle a dit qu'elle voulait faire les TikTok avec. Et comme sa part ne filme pas clair, elle a pris le mien. Ma. Et quand elle rentrait, tu lui as pas demandé ton téléphone pourquoi? Non, sa batterie était faible, non. Tu sais comment celui était bête, non? Si on arrête ton téléphone là-bas en route, ne viens pas prêcher ici. Tu me connais. Tu as deux, elle a deux pieds. Elle marche, elle voit. Tu me demandes, elle a déjà lavé sa sieste. Vous balayez le sol. Tout ça passe à TikTok, non? Ou c'est TikTok, ou c'est quoi là? C'est vous qui connaissez. Ça vous rapporte quoi? Hein? Je te l'ai dit. Si ton téléphone s'égare, tu entres ici, tu mourras. Elle va rentrer à quelle heure? Tu demandes à qui? Copine vient juste de quitter ici. Tu as pris son téléphone pour faire quoi avec? Maman, on s'est croisé à la boutique là maintenant. Je lui ai remis son téléphone. Oh. Pourquoi tu demandes d'avoir le téléphone? Toi là, toi maman, bec à Olamsi. Tu prends son téléphone, tu viens passer la nuit avec. Moi, je devais faire mon direct comment? Il me faut deux téléphones pour faire le direct. Et moi, c'est elle qui m'a remis son téléphone. Hein. Vu qu'on n'a pas encore mon deuxième téléphone, qu'est-ce que je peux faire? Tu ne vas pas acheter notre téléphone pour le direct? Moi, mon tuteur ne m'a pas encore donné l'argent. Quand j'aurai là, elle va acheter mon téléphone. N'importe quoi. Tu dis maintenant qu'elle vient bavarder ici pour le téléphone. Pourtant, c'est toi qui as pris son téléphone. Elle vient ici, elle parle. Son téléphone qui ne filme même pas bien là. Elle vient ici. Et pourquoi tu as pris son téléphone pour te filmer avec? Ta bouche sort maintenant, bon, son téléphone. Et tu as pris ça pour quoi? Tu as pris son téléphone pour quoi? Bec à Olam. Tu demandes, tu vas demander même les yeux de quelqu'un pour voir avec. Je vous ai toujours dit, hein. Je suis une pauvre qui crame. Je me suffis avec ce que j'ai. Va là-bas! Tu connais quoi? Tu connais faire quoi de tes petits quoi? Sauf le téléphone. Tu peux pas te séparer de ton téléphone. Non. Il t'avait accouché avec le téléphone, Sylvie. Non. Sunita, tu veux faire quoi de ta vie?
Dis-moi exactement ce que tu veux faire de ta vie. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Pour survivre dans la vie, chose promise, chose faite, directement.